Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau chromatique dans un nouvel ultra bonus avec la santé de fer. L'ultra bonus, deuxième partie santé de fer, se déroule entre les jeudis 25 juillet à 10h et mardi 30 juillet à 20h, heure locale. Pour l'occasion, un tout nouveau Pokémon chromatique fait son apparition puisque pour la toute première fois, Togedemaru est disponible en Shiny dans Pokémon Go. Vous pouvez en profiter pour rencontrer de nombreux Pokémon de type acier dans la nature avec Sabelette d'Alola, Magnéti, Pomme de Pique, Tarinor, Galekid, Terral, Archéomir, Grindur, Limonde de Gala, le nouveau chromatique Togedemaru, Onyx, Insécateur, Hermure ou encore Tick. Des Pokémon spécifiques sont également à combattre dans les raids, avec dans les raids une étoile, Hermure, Tick, Scalpion et Togedemaru, alors que dans les raids 3 étoiles, vous pouvez rencontrer Steelix, Scizaiox, Misdibule ou Galeking. Pour l'occasion, des études de terrain spécifiques permettent de rencontrer également des Pokémon avec Terral, Tick ou encore Togedemaru, mais également d'obtenir de la méga énergie pour Steelix, Scizaiox ou Galeking. Vous pouvez également profiter d'un défi de collection disponible pendant l'événement. Vous devez capturer des Pokémon de type acier afin d'obtenir des rencontres avec Togedemaru, des Pokémon de type acier, de la méga énergie et également de la poussière d'étoiles. Enfin, une étude ponctuelle est disponible pendant l'événement, vous pouvez la compléter pour remporter un module leurre magnétique, de l'XP et des rencontres avec des Pokémon de l'événement. On termine avec les bonus, avec tout d'abord un bonbon L supplémentaire en capturant des Pokémon, plus de chances d'avoir des bonbons L avec des jolis, des super ou des excellents lancers. Un bonbon supplémentaire avec un joli, un super ou un excellent et enfin de la poussière d'étoile multipliée par 3. Voilà ce qu'en était concernant l'événement Santé de Fer dans Pokémon Go, le deuxième ultra bonus suite au GoFest mondial 2024. Un nouveau Shiny qui débarque dans Pokémon Go et qui fait extrêmement plaisir. Très content également pour ma part de voir apparaître pas mal de Pokémon sur lesquels il manque des bonbons L dans la nature. En plus, on a des bonbons L supplémentaires à la capture, donc ça peut être vraiment cool. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, tout comme ce que vous avez pensé de la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit pouce bleu et d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Salut tout le monde !